contributed. La Corée du Nord a annoncé mercredi avoir procédé encore une fois du succès à un test de missile hypersonique la veille, cette fois en présence de son dirigeant Kim Jong-un, alors qu'elle en avait tiré un le 5 janvier dernier. Cette nouvelle a été publiée par l'agence de la KCNA. Selon elle, le projectile a parcouru 600 km. Son planeur hypersonique, long d'environ 7 mètres, s'est ensuite détaché pour faire un vol plané. Le missile a parcouru au total 1000 km avec une vitesse maximale.